la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Phyronix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un tout nouveau défi, c'est celui d'ouvrir des chambres fortes avec des cartes d'accès. Alors vous devez ouvrir deux chambres fortes, dans la vidéo je n'en montrerai qu'une seule parce que c'est le même principe les deux fois. Et je vais tout simplement vous montrer comment ouvrir la chambre forte, parce que vous voyez sur la map il y a plusieurs points, c'est les emplacements des différentes chambres disponibles sur la map. Et moi mon but c'est tout simplement vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc on va directement aller en game, et avant toute chose n'oubliez pas petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce on se retrouve en game. Ok les petits potes, donc là nous sommes 10 gens en game, c'est totalement normal. Puisqu'en fait, pour pouvoir réaliser le défi, il faut tout simplement attendre que les petits points, ici le petit bonhomme, il spawn sur la map. Donc vous avez plusieurs endroits, vous voyez qu'il a spawn à Mega City, il a spawn également ici, il me semble, oui, il y en a un qui est ici également. Donc il y en a 3 qui ont spawn, il y en a toujours 3 à chaque game qui spawn, il faut attendre que la première zone soit établie, tout simplement pour pouvoir commencer votre défi. Donc on va directement se rendre là où, à un des points que je viens de montrer pour que je vous montre comment réaliser la suite. Si je peux vous donner un petit conseil les amis, avant d'aller tout simplement à un des endroits que j'ai pointé, veuillez être équipé correctement et essayez d'avoir un maximum de vie avec vous, parce que vous allez tout simplement devoir fight 3 personnes, 3 bots. Et bah, ces bots parfois ils ont pas une si mauvaise aim, donc faites quand même attention à vous. Donc voilà les 3 bots. Alors normalement si je passe à côté ils font rien. Oui parce que je les ai pas encore attaqués. Donc vous pouvez voir ici, le noir c'est celui qui va tout simplement drop la carte et les blancs c'est ses petits acolytes. Et voilà les petits potes, vous pouvez voir tout simplement que j'ai réussi à le battre, j'ai un peu beaucoup galéré. Et voici la carte qui nous intéresse. Carte d'accès à une chambre forte, donc vous allez tout simplement la prendre. Alors de nouveau, je vous conseille de vous heal pour éviter d'avoir des soucis comme ceci, des gens qui viennent vous récupérer alors que vous venez de faire la fight. Alors, vous avez ici un emplacement de coffre-fort, vous allez tout simplement descendre et activer la carte là-dedans. Voilà. Dès que vous avez rentré la carte, c'est bon, c'est validé, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le coffre, même si c'est mieux pour le loot qui est à l'intérieur. Donc voilà, ici le loot qui est à l'intérieur. Vous faites ça tout simplement deux fois et votre défi sera validé. Et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Hasta luego, c'était Furo.